Bonjour à tout le monde. Comment ça va avec vous? Bon, on va un peu essayer de. Je vais donner les messages que j'ai reçus pour vous. Donc, on m'a dit qu'on va un peu voyager, ok? Je vais voyager un peu dans les énergies pour vous dire ce qui se passe. Donc, nous sommes toujours en jeûne. Bonsoir, bonsoir. Je rappelle que la formation des sirènes et des sirois, c'est demain. Demain soir et samedi. Donc les sirènes et les sirois auront la formation. Ce ne sont que les gens qui se connaissent qui vont venir. Hein. Donc, sirène et sirois. Je cherche ma cloche. De tout sommeil spirituel dans lequel vous êtes actuellement. Je vous fortifie, je déclare sur vous la santé mentale, la santé parfaite. Voilà. Comme vous êtes en train de m'écouter, je vous rappelle qui vous êtes. Parce que ce qui se passe et que le Seigneur m'a montré récemment, c'est que vous allez traverser une crise de personnalité. Une crise de personnalité. Donc, tu vas te sentir comme si tout ce que je disais là, c'était du baratin. À un moment, tu vas te dire, mais attends, pourquoi est-ce que j'ai même cru que je suis une reine?
J'ai cru que je suis un roi. J'ai cru que je peux, j'ai des pouvoirs. J'ai cru. Ce trouble de personnalité vient te tester. Je me suis non. Il y a une ici, là, ou bien il y a quelqu'un ici, tu as eu. Tu as des personnes que quand tu étais encore dans l'embarras, tu ne savais pas trop ce que tu dois faire de ta vie. Tu commençais à découvrir tes pouvoirs. Tu es arrivé devant ces personnes-là, tu avais besoin de leur aide. Ces personnes ne t'ont pas porté aide. Ne t'ont pas aidé. Bonsoir et bonsoir. Saluez-moi si vous venez vous connecter. Dites-moi bonsoir. Et maintenant, quand ces personnes sont parties de ta vie, ne t'aidant pas, tu t'es senti abandonné. Maintenant que tu es en train de trouver ta voie, ces personnes vont revenir. Oui, le lavage au sel, je connais ça depuis 10 ans. Mais moi, je te connaissais, ça fait 2 ans. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Ce que la reine Jocelyne enseigne, c'est rien. Laisse, je vais te montrer comment débloquer ton chakra. Vous êtes tombé sur ma page parce que vous m'avez cherché. Vous me suivez. Et la puissance qui est en vous, il n'y a que moi qui pouvais débloquer sincèrement, véritablement, honnêtement, exponentiellement cette puissance. Écoutez ces personnes, ça va diminuer votre lumière. Vous me suivez, non? Ça va diminuer votre lumière. Et si vous ne faites pas attention, ces personnes vont vous tirer, vous allez repartir là où vous étiez avant. Peut-être vous pensez que comme vous avez vous êtes ouvert, vous êtes débloqué spirituellement, il n'y a que vous qui connaissez. Les gens vous observent. Ils savent que tu es en train de shifter. Ils savent que tu es en train de monter. Ils savent. Bonsoir la reine Diane. Ils savent que tu as commencé à venir dans mes formations. Ils savent que tu cherches la vérité. Faites attention parce que les gens pour qui vous aviez du respect avant, ils vous ont laissé tomber comme une chaussette. Ce respect-là est parti. Avant, quand il te prophétisait un petit truc comme ça, là, tu prenais ça comme si c'était Dieu. Maintenant que toi-même, tu connais comment te capter et prophétiser sur ta vie en avance, la personne va revenir. Hein? Mais pas, tu connais maintenant. Il faut faire attention. Hein? Tout ce qu'elle dit là, il faut faire attention. Moi-même, je vous dis, faites attention à eux. Tu t'es raffiné. Hier, je vous ai dit ça, que vous êtes devenu raffiné. Ce que tu considérais comme bien, il y a de cela 6 mois. Mot. Oh, ça me mérite, hein. Aujourd'hui, tu penses que ce n'est absolument plus à ton goût. L'homme que tu regardais à 6 mois, tu disais, Seigneur, Seigneur, il s'intéresse à moi. Merci. Aujourd'hui, tu regardes cela. Tu regardes encore. Moi-même, si j'ai cherché. Et qu'est-ce que j'appréciais comme ça? Le truc, c'est que tu ne te laisses pas aller dans ta prochaine dimension. Tu ne te laisses pas aller dans ta prochaine dimension.
comme je sonne cette cloche, tu t'acceptes. Écris ici, je grandis. Ma mère, tu me demandes si tu attends toujours. Et dès 10h, 10h tu ne m'as pas appelé, je me suis endormi à 12h. Je me suis réveillé à 13h. Quand je me suis réveillé, t'es dit. C'est maintenant qu'on me donne le feu vert pour faire mon direct. Je devais faire le direct depuis 8h30. Je t'ai dit ça, je n'ai pas fait. Donc, on va annuler alors. Parce que quand mon prof fait un jabot particulier quelque part comme ça, là, je ne sais pas. Vous êtes en train de grandir. Et il y a quelque chose en vous qui ne veut plus rester dans les petits endroits. Il y a quelque chose en vous qui ne veut plus accepter qu'on le rabaisse ou qu'on la rabaisse. Et même spirituellement. Je sais que vous tu vas te dire, ah, si j'ai grandi spirituellement, où est l'argent? Une femme m'a fait un message l'autre jour comme ça, elle me dit, ok. Attendez, je vous ai répondu à ça dans un TikTok hier. Attendez, je vais chercher son message. Voilà. Parce qu'elle dit dans son message, je suis motivée, j'ai la foi. Je prends des risques. Je fais des investissements. J'ai commencé mon travail spirituel. Mais pourquoi les choses sont toujours en dents de scie? Pourquoi? Pourquoi les choses sont toujours en dents de scie? J'ai une de mes filles, là, elle a des grands enfants. Elle a des enfants de 20, 24 ans. Elle est en Europe. Et on s'est rencontrés, ça fait un an et quelques mois, peut-être un an et cinq mois déjà. Elle était au pays dans un petit studio, ça n'allait pas, elle n'avait pas vraiment de sous. J'ai commencé le travail sur elle. Un petit peu, tac, deux personnes lui proposent de sortir du pays. Une autre personne reste un jour, on lui envoie l'argent que va faire ton passeport. Une autre personne reste, elle l'invite en Europe, elle fait les papiers. Après, elle a la loterie américaine. Tout ça en l'espace de 4 mois. Maintenant, quand elle a eu la loterie, ça, bon, le processus allait être long. Elle a prévu d'avoir parti en Bénin. Quand elle arrive dans là-bas, la procédure pour avoir les papiers est assez longue. Ceux qui se précipitent pour aller en Bénin là. Vous avez sûrement vu que quand tu arrives là-bas, c'est pas comme ça se stabilise là. Donc, elle a déjà fait un an. Bientôt, ça fera un an qu'elle est là-bas. Donc elle reste souvent, bon, il y a cela 2-3 mois, elle reste étudiée. Donc, dans sa façon de parler, non. C'était genre, je n'ai pas l'argent, je fais comment? Depuis là, il n'est pas l'argent. Depuis, il n'est pas les sous. Depuis, je n'ai pas de statut. Depuis, on n'a pas encore donné les papiers. Bonjour la reine Monique. Maintenant, l'autre jour, elle a prié pour moi. Il y avait une situation, on était dans la séance de prière sur Zoom. Elle a pris la parole, elle a prié pour moi. Maman, quand elle ouvre sa bouche, la puissance de ça. Hey! Quand elle parlait, elle a prononcé la don. Ceux qui étaient dans la séance de prière, en tout cas, moi, j'ai senti. Oh. J'ai senti. Après, il dit en inbox, ma chérie, ne tente plus que l'ennemi te fait croire
que le travail que tu es en train de faire depuis ne donne pas. N'essaye plus, ma chérie. N'essaye plus, ne pense plus. Ta puissance, donc, le genre de puissance qu'il y a dans toi, là, maintenant. Tous tes blocages de depuis 20, combien d'années qu'on t'a bloqué ton argent. C'est-à-dire que la première fois qu'elle travaille sur elle, l'esprit qui la bloquait, parle. Quand on a tué sa mère, on a lancé la maladie sur sa mère, on l'a tué. Qu'elle grandisse dans la pauvreté. On a bloqué ses enfants. Le deuxième, on a pris son intelligence. C'est pour ça qu'il a tous les maux de tête. C'est pour ça qu'il portait les lunettes. Le premier, voilà, on lui envoie les flèches tout le temps. On veut le tuer aussi. Elle, là, on l'a bloqué de façon que tout homme qui vient, dès qu'il reste avec elle, un peu comme ça, là, il va avoir les problèmes dans sa vie jusqu'à ce qu'il va la quitter seulement. Elle devait accrocher les belles jumelles comme toi, là. Les mauvaises esprits connaissent que je suis belle. Hein. C'est fou parce que chaque fois qu'elle la parle, il touche sur ma beauté. Voilà, excusez. C'est maintenant que je vois le rapprochement. Parce que le jour, là, ça c'était un an et demi, un an et quelques, peut-être 4 mois. Les esprits là ont dit qu'elle allait accoucher les jumelles belles comme toi, là. Je vous ai dit qu'il y a encore une autre fille de 20 quelque chose qui est venue. Les mêmes esprits ont encore dit qu'elle devait accoucher les jumelles belles comme toi. Vous avez menti. Donc, là voilà maintenant. L'esprit la parle. Oui. On a même pris les enfants qui étaient dans son ventre là. De si elle a couché les enfants là. Non, 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 non. Ah bon, on a demandé si on était sœur. Hein? Nous sommes sœurs. Nous sommes sœurs. Vous savez que les sirènes sont très jolies, non? Elles ont une beauté là que ça peut rendre quelqu'un bête. Si c'est sur la photo, sur n'importe quoi, quand tu vois, tu dis que yay. Tu regardes ça, tu dis yay. Yes. Le genre de beauté que même la caméra est même étonnée. Même la caméra. Pourquoi la Benjamine n'est pas métisse comme les autres? Ben, je ne sais pas. Donc, je lui ai dit que regarde, peut-être l'année passée, tu te voyais dans cet état-ci, hein? Tu te voyais pauvre, faible, tu te voyais... Non, mamie, ta situation a changé. Même si tu n'as pas encore les papiers. Il y a une puissance dans ton corps. La première... Regarde d'abord, tu te sens plus démoralisé comme avant. Avant, tu étais tout genre... Un truc t'arrive comme ça, tu vas te faire 3 mois de dépression. Tu vas taper 3 mois de dépression. Tu n'as plus les saisons où tu manques totalement d'argent, alors qu'avant c'était le cas. Tu as 1 million. Quelques jours plus tard, tu es dans 50 000. Tu demandes 20 000 à quelqu'un, la personne dit que gars, c'est chaud sur moi. Bonjour, Ebou. Tu as commencé un travail. Que tu as cassé toute la maison. Tu as même creusé le trou pour mettre d'abord le sous-sol. Pour mettre d'abord le sous-sol. Beaucoup d'entre vous, quand vous êtes tombés sur mes vidéos, vous cherchez un endroit où vous accrochez. Okay. Et malheureusement, vous avez été conduit vers des personnes qui ne voulaient pas vraiment votre bien spirituel. Bonjour Jojo. Il y a une reine là. En l'espace de peut-être 6 mois, elle s'est vraiment mise dans son travail spirituel avec moi. Genre, le jour où elle a décidé que je vais payer maintenant, payer ma dîme chez la reine Jocelyne, je vais maintenant faire ceci avec elle, tout ça là. Tous les pères spirituels qu'elle avait là, ils se sont ouverts, donc démasqués un à un. Un à un. L'autre, un jour, quand il a remarqué qu'elle ne payait plus sa dîme chez lui, elle envoie, il dit que ah, c'est un miette que tu envoies là. Waouh. Donc, ok, comme j'ai l'habitude de faire des dons tout le temps à ton ministère, et cette fois j'ai fait des dons, mais je n'ai pas mis ma dîme dessus, ça devient un problème. Elle dit que le monsieur l'a lavé, l'a repassé,
jusqu'à laver, sécher, repasser, mettre dans la moire. Vous allez voir leur visage sortir. Les gens qui vous utilisaient là, ils vous utilisaient. Quelqu'un qui ouvre, il ne parle pas de ses projets. Oui, ma fille. On les connaît. Ma fille. Oui, je vois tes. Merci pour tes dons. Tu sais, je vais toller la maison le 2 juillet. Il met toujours la tôle de la maison, toujours le lendemain de tes salaires. Oui, tu sais que la rentrée, c'est le 5 septembre. Il faut que tes petits frères partent à l'école. Sois bénie, ma fille. Que le Seigneur te protège. Seigneur, donne-moi le riz. Hey! On vous a fait ça du quand même. Dès qu'on te paie ton salaire, il y a un jeune homme, pour ça que j'avais rencontré à Douala une fois. Il m'invite un jour à une veillée de prière avec son père spirituel, un prophète. Donc, quand il paye la dîme, le père spirituel connaît combien il a eu comme argent. C'est le jour où il paye la dîme que le père spirituel dit qu'il manque le riz à la maison. Tu sais, ta maman, ta momie. Vous avez traversé les choses, hein. Ta momie a besoin d'argent. Elle a besoin de nourriture. Donc il fallait chaque mois le riz, l'huile, ça ne manquait pas. Donc dès qu'il paye la dîme, la tac, on ne se contente pas de la dîme. Hein. Après la dîme, on dit, bon voilà, ta momie, il faut le sac de riz, tu vois. Il m'a amené là-bas, on fait la prière. C'était pour son anniversaire. Yes, c'était l'anniversaire. Il m'a invité à l'anniversaire. Et son daddy et sa mamie sont venus à l'anniversaire. Donc, vous voyez, les gens qui ont fait tellement d'honneur là. Voilà. Après un moment, moi, je savais seulement. Le temps là, moi, j'étais pas. J'étais moi, mamie, mais je me cachais. Maintenant, ils avaient la table d'honneur. Voilà. Et professionnellement, je coachais beaucoup ce jeune homme. Je le coachais beaucoup. Maintenant, il avait son père spirituel qui était à l'honneur. Quand il fallait remercier les gens, il prend la parole, il parle, il les remercie d'abord bien, il donne toutes leurs accolades. Mais après, maintenant, je dis, bon voilà, je dois quand même remercier la coach Jocelyne. Ha! Il fallait que l'espace de la jalousie vienne sur ça. Je vois moi son père spirituel commence à me regarder, que c'est qui comme ça? Moi, je dis, pardon, excusez-moi, je parle. Hey. Oh, le gars avait tellement de potentiel. Tu vois, c'est le genre de jeune homme que on lui fait croire que si tu ne payes pas ta dîme, la foudre va venir sur toi. Si tu ne me donnes pas le riz et l'huile d'arachide. Donc, il paye la dîme par peur. Par peur. Il était dans une relation avec une jeune fille. Il avait une très belle personnalité. Oh, quand. Et tu vois, j'essaie de le coacher pour dire, voilà, tu mérites qu'on te paye même 500 000 pour certains de tes services. Voilà, tu mérites d'être. Mais il avait tout douté. Est-ce que Dieu va accepter que je. Ce genre de service, est-ce que Dieu va accepter ça? Est-ce que tu penses que si je fais ce genre de service, ce n'est pas non chrétien? C'était un informaticien. Il avait une agence de community management. Je sentais qu'il avait carrément peur qu'on ne prêche celui à l'église. Qu'on ne prêche. Il y a des gens ici, depuis que vous touchez 500 000, vous travaillez pour le diable, vous avez subi ça dans les églises. Les enfants me bénissent abondamment. Merci, je vous bénis aussi. Thank you. Certains d'entre vous, vous revenez de loin. Spirituellement et émotionnellement. Vous revenez de loin. Je ne veux pas. Ça fait combien d'heures que j'envoie? Ça fait combien d'heures? Pour personne dans la maison, si ma dernière ne décoche pas, toi tu ne décoches pas personne.
Pas avec, j'ai finalement lancé mon téléphone. Blize, bonsoir. Vous avez traversé tellement de choses. Tellement. Et maintenant, quand tu veux oser croire, bien sûr, tu as des choses qui vont prendre du temps à l'intérieur de toi. J'ai une de mes filles, elle est en France. Elle a un Nexticon. C'était le genre de gars que quand elle achetait, qu'elle achetait les produits. Il y a eu plusieurs cas comme ça. Les personnes qui achètent des produits, quand ça arrive à la maison, son gars voit, il filme, il jette les produits à la poubelle. Elle revient le soir, il ne sait pas qu'elle a dépensé près de 150 euros sur ça. Donc, elle avait ce genre de texticône-là. Ils vivaient ensemble. Le genre de gars qui te bloque, il bloque tes papiers, il bloque tout sur toi. Voilà, avec la force de sa propre foi. C'était quelqu'un qui n'avait même pas les papiers pour envoyer les dos. Le genre que quand elle voulait envoyer, elle devait cotiser sa dîme même sur 2 mois. Elle part dans une autre ville, elle voit quelqu'un qui a les papiers, elle donne l'argent à la personne l'envoie. Donc, c'est le genre de blocage qu'elle avait. Il va chez les gens sur l'assistance sociale, il lui dit voilà. Quand il dit comme ça, s'il suit mes vidéos, il va même peut-être s'identifier. Oh, c'est une sorcière. Elle fait la sorcellerie. Oh, merci Bendis. Elle fait la sorcellerie. Elle fait ça. Oh, ah. Il peut dire à les assistants sociaux là, non. Les gens qui viennent, il peut dire là-bas. Si tu me vois, c'est que tu vas te reconnaître, monsieur. Maintenant, ils se sont séparés. Ah, tes enfants vont venir au service du premier. Ah, super, la reine Amel. Aïe. Ouais, le premier, il y a service, oui. Donc, on va faire un service mémorial. Donc, j'ai dit que tous les gens, si vous avez perdu quelqu'un, le jour là, vous venez avec son nom. Et après, on va faire un grand salaka. Oui. Le nom ou la photo. Donc, ça a été inspiré. Ce service a été fait d'abord. La première personne qui m'a inspiré cela, c'est mon fils qui est décédé récemment, paix à son âme. Et donc, on a décidé de faire ce service et de pouvoir permettre à ceux qui ont aussi des enfants ou bien des parents qui sont décédés de se joindre à nous pour cela. Vous savez, le travail qu'on fait, c'est là. Hein? Ça vient avec ses étapes. Et c'est l'autre jour, je causais avec une reine très puissante. C'est là qu'elle me disait qu'elle aussi, elle a perdu un fils, ça fait quelques années. Et là, elle me disait qu'il y a des étapes dans la marche spirituelle. Et ces choses sont là pour te fortifier, si tu permets que ça te fortifie. Soit ça te fortifie, soit ça te maintient à terre. Donc, ce sera le 1er juillet à Makepe. Ceux qui sont déjà venus à Makepe acheter des produits chez moi, ce sera là-bas. Voilà. Et je crois qu'on va le diffuser en direct aussi. Ceux qui voudront participer, vous allez vous connecter. Naomi, les jumeaux arrivent, préparez-vous. Amen. C'est fou, quand tu dis à quelqu'un que tu as perdu un enfant, ils veulent toujours remplacer. Mais j'ai compris qu'aucun enfant ne va remplacer l'autre. Il y a un amour particulier qu'on a pour chacun de nos enfants. Donc, c'est vrai que quand les gens disent ça, c'est un peu genre, ok, pour te consoler. Mais chaque enfant a son énergie. Tu as une relation avec cet enfant. Donc, je ne peux pas dire qu'un enfant peut remplacer l'autre. Et quand tu perds l'enfant, il y a la douleur de cet enfant à part. Sa douleur est à part. Sa douleur est à part. Tu ne peux pas dire que... quand l'enfant est parti, il y a une dame qui est venue. Je ne savais pas qu'elle avait... Elle a une fille de 3 ans. Je ne savais pas qu'elle avait fait une fausse couche jusqu'à ce qu'elle apprenne ça et qu'elle vienne, qu'elle s'assoie dans mon bureau. Elle me parle. Elle me dit qu'elle a perdu son bébé. L'enfant avait 6 mois dans le ventre. Elle avait déjà commencé à faire la layette. Elle dit que c'est une douleur qu'elle a eue. Quand l'enfant est mort, elle est partie chez ses beaux-parents. Elle a fait peut-être 5 ou 6 mois là-bas. Et quand elle est revenue chez son mari, elle est tombée enceinte 3, 4 mois plus tard. Elle n'a pas fait de layette pour son enfant. Jusqu'à ce que l'enfant est sorti.
Elle est sortie de l'hôpital avant de partir acheter les habits. Parce qu'elle avait été traumatisée. Elle dit qu'elle ne voulait pas. Et je rappelle qu'elle avait déjà deux enfants. Hein. Donc elle avait déjà deux enfants. Elle est tombée enceinte, elle a perdu celui-là. Avant d'accoucher encore un autre. Et cet enfant aujourd'hui a trois ans. Ah, la reine Laura, la première fois que tu es arrivée de moi, j'avais des jumelles. Waouh. Ça, c'est super. Donc, ceux qui seront à Douala, vous pouvez venir. Et puis, on va faire un salaka après. J'insiste beaucoup. Donc, si vous avez déjà envoyé l'argent de votre salaka, hein, insistez pour qu'on vous mette dans la liste. Parce que j'ai créé une liste des personnes qui ont demandé la messe. J'ai perdu deux grossesses successives à 5 mois, comme des accouchements. Waouh! Il y a 20 ans. Waouh! Et tu n'as pas d'enfant. Waouh! Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça, c'était une attaque. Ça, c'est... Il y a ce passage où Jésus dit que c'est un ennemi qui a fait cela. Robert, bonjour. Ok, donc je reviens sur la dame. Je vous parlais d'une dame qui a... dont le lexicon lui cherchait encore des poux dans la tête. Donc lexicon, jusqu'à présent, des mois plus tard, il passait encore du temps à dire aux gens que c'est une sorcière. Parce qu'il a vu certaines choses qu'elle a fait chez elle, elle a invité des gens. La connexion n'est pas bonne sur Facebook. Bon, Facebook, partez sur TikTok alors pour voir. Facebook, est-ce que vous avez la bonne connexion? Imagine, tu vois ton ex sur le statut de quelqu'un. Tu écris à la personne, tu dis que, est-ce que tu sais que c'est une sorcière? Comme tu es chez elle comme ça, est-ce que tu sais qu'elle empoisonne les gens ou qu'elle met des choses dans sa nourriture? Ce n'est pas la méchanceté. Voilà. Donc, je reviens à mon message d'aujourd'hui. Sandra, je te fais la force. Ok. Bon, les gens me disent que sur Facebook, c'est bon. Ceux qui demandent depuis qu'ils veulent me voir... Je suis au Gabon. Je suis au Gabon. Donc, cette vidéo, en fait, c'est d'abord pour te faire comprendre ce que tu es en train de traverser. Tu es en train de te fortifier. Dans le monde spirituel, tu es en train de prendre des grades. Je suis en train de prendre des grades. Donc je vais tirer les cartes. Ceux qui veulent un tirage avec une lecture dans votre... Donc c'est 3 cartes à 10 000 francs, c'est-à-dire 3 cartes à 15 euros, pardon. 3 cartes à 15 euros. 6 cartes à 15 000. 15 000, c'est environ 22 euros. Et pour 20 000, vous aurez environ 8 ou 10 cartes. Généralement, je fais toujours plus, je crois que vous le savez. Bonjour, Mexique. Ok. Bon, les cartes, c'est pour avoir la direction. C'est pour... Il y a des moments où moi, je me sens pas bien, je tire mes propres cartes. Bonjour la reine Nathalie, comment tu vas? Voilà maman Nathalie, là voilà dans le direct, c'est la maman de l'orphelinat cœur de Jésus. Là voilà en direct. Bonjour, comment tu vas? Comment vont les enfants? L'autre jour, j'ai bâti là-bas, il y avait tellement de petits-petits-enfants. J'ai dit que le biberon, ceux qui ont 5 biberons en même temps. Oh, on les bénit. Demain, tu payes tes deux kits. Même si tu n'aurais plus de salaire, il faut payer après. Oh non, Manu, ne parle pas comme ça. Tu es en train de te fortifier, c'est tout. C'est tout. Vous allez bien. Super, la reine Nathalie. Maman Nathalie, super. Donc, je vais essayer de commenter sur TikTok. S'il me laisse faire le commentaire, je vais vous mettre le...
pour le tirage. Congratulations. Donc, ceux qui veulent payer sur PayPal, voilà le lien. Ceux qui veulent payer par Orange Money, je vais vous donner le lien aussi. J'ai remarqué que les commentaires ne s'épinglent pas quand je suis sur ce téléphone. Les autres téléphones qui épinglent mes commentaires. Bon, on va faire comme ça. L'orphelinat est à Bangui. C'est surtout à Bangui. Ok? Enfin, vous donnez Bangui, je pense, à côté du cimetière. Si vous écrivez en inbox, on va donner le numéro. On passe son numéro. Ok? Bon, allons-y. Si j'avais mon autre téléphone, ça m'aurait facilité les lectures en inbox. Ok, bon, on va voir ce qu'ils ont pour vous aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous, vous allez, la carte de formation apprentissage. Vous êtes dans une période où vous apprenez beaucoup. Vos guides vous enseignent énormément. Par Orange Money, c'est 655-31-0750. Orange Money. Donc 655-31-0750, ça c'est Orange Money. Bouddhi! Je prends le téléphone de ma fille pour ça. 655-31-0750. Et le nom c'est Abbé Solo. Abbé Solo, le nom. Donne-moi le téléphone. Je vais prendre, je vais utiliser WhatsApp. Maintenant, le Airtel Money, c'est le 074-18-0080. 074-18-0080, merci. Ça, c'est Airtel Money. Bonjour, Stéphie. Et le nom, c'est... Sur Airtel Money, le nom, c'est... Airtel Money, le nom, c'est quoi? Joséline, voilà. OK. Donc, comme je disais tout à l'heure... Vous allez avoir beaucoup de... formation. Miss N, si les gens font les paiements sur Airtel Money, tu m'envoies leur numéro ici. Orange Money ou bien MTN Money, tu m'envoies leur numéro dans ce chat. Je vais leur écrire pour faire leur lecture. Ok, super. Donc, si vous faites le paiement, vous envoyez sur un de mes numéros que vous avez. Ok. Donc, je fais des lectures. Je vais faire des lectures. Je m'apprête à faire des lectures de cartes. Donc, 3 cartes, c'est 10 000 francs. Vous pouvez payer par Orange Money ou Airtel Money. 5 cartes, c'est 15 000. Et pour 20 000, vous aurez à peu près 10 cartes. Mais vraiment, 10 cartes, c'est vraiment la totale, quoi. Avec 10 cartes, tu peux quand même envoyer un message très clair. J'étends les j'ouvre plus de cartes parce que avec une carte, c'est trop flou. Deux cartes, c'est flou. Vraiment. Même 4 cartes, généralement, je me trouve, c'est au bout de 6-7 cartes que tu commences à vraiment savoir le chemin qui te, ce qui te donne. Voilà. J'ai des contacts au mon PayPal. PayPal, c'est aureliemichel2017@gmail.com. aureliemichel2017. Bon, je commence à lire d'abord. Ok. Bon, voilà PayPal. aureliemichel2017@gmail.com. Ça n'épingle pas le commentaire. Bon, je commence. Vous allez avoir
beaucoup de, je dirais, vous serez amené à faire beaucoup de formations. Et je sens peut-être quelqu'un qui est en train de me se dire que, ah, formation, comment, il faut que j'aille encore payer ou bien. Beaucoup d'entre vous, on est en train de vous enseigner. Bon, à partir du Maroc, tu n'as pas PayPal au Maroc. Parce que le Maroc, c'est totalement blanc pour moi. Bon, écris quand même à mon standard ou mon secrétariat. Tu vas voir, le lien est sur la bio. Tu écris, tu dis que tu veux faire un envoi. Donc, même si après cette lecture, tu envoies l'argent, je peux toujours te lire inbox. Et s'il y a quelqu'un qui a déjà payé, je ne t'ai pas encore lu, écris au numéro encore pour rappeler. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas d'argent pour payer, si vous êtes sur TikTok, tu peux aussi faire des cadeaux. Je crois que pour des cadeaux de 100 environ 100 points en montant. Là, je peux faire la lecture. Mais si tu m'envoies une fleur de 1 point, franchement pas. Bon, ok, allons-y. Donc, tu seras amené à faire beaucoup de formations. Ok? Et tu es en train d'apprendre, on me dit de te dire que tu es en train d'apprendre big time. Like, you're learning a lot. Tu es en train d'apprendre énormément. Et cette formation est en train de te réaligner avec ton, your purpose, avec ta mission de vie. Il y en a même, vous êtes en train de découvrir votre mission de vie. Je sens vraiment quelqu'un que, quand tu te réveilles, tu ne te rappelles pas de tes rêves, mais on t'a enseigné énormément dans tes rêves. Et c'est pour ça que, voilà, on me dit que c'est pour ça que souvent quand tu m'écoutes, il y a des choses que tu as l'impression que tu connais déjà. Je solidifie ce que tu as. Je solidifie ce que tu as. Ce que tu as reçu. Que je vois que comme c'est en train de s'engrainer, de s'enraciner. Bonjour, Rédemption. Envoyez-moi le contact de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Les gens qui doivent payer à travers le Burkina Faso. Envoie-moi le numéro ici. Marie-Oriane, tu viens m'écouter. Oh, super. Merci pour le message. Je t'envoie de la lumière. Et oublier ses rêves, ce n'est pas forcément négatif. Parfois, il y en a parmi vous que vous êtes dans des périodes où vous êtes en train d'apprendre énormément. C'est comme si tu es en formation. Ok? NK, je vois que tu es en train d'envoyer ton truc, mais je ne vois absolument pas. Bonjour Lopez depuis le Bénin. Bon, on va voir la prochaine carte. Oui, la reine Laure. Oui, je crois que tes dons prometteurs sont en train de s'ouvrir. Ok, tu t'es abonné. Hein? Merci. Prochaine carte, le commerce. Beaucoup d'entre vous, vous allez monétiser vos dons. Vous allez monétiser vos dons. Là, vous me payez pour que mon don de voyance vous aide. Mon don de prophétie vous aide. Mon don de guérison vous aide. Ça fait un an que tu as fait ton envoi. Et tu as oublié, ma chérie. Tu fais partie des gens qui négligent leur spiritualité. Pourquoi, ma chérie? Fais un message en inbox et tu envoies juste la capture de ton paiement. Donc, ça veut dire que c'est en juin de l'année passée que tu as payé et tu as oublié. Merci pour la couronne, Bénice. Quand vous faites des dons sur TikTok, si vous envoyez quelque chose, faites-moi signe pour savoir. Je veux des cadeaux de 100 points au moins, s'il vous plaît. Voilà. Donc, comme j'ai dit,
Il y a aussi quelqu'un ici, tu as un don de guérison très accentué. Ton don de guérison est très accentué. Et comme un lotus, lotus, vous connaissez la fleur, non? Vous êtes en train de vous ouvrir. Ok, Benlise, d'accord, je vais te faire deux cartes alors. Qu'est-ce que vous avez pour Benlise? Tu as envoyé 199. Je vais te faire deux cartes. Première, waouh! Le guide est de traverser. Tu as des dons qui sont latents en toi. Tu as des dons latents. Bonjour Rastafari. Tu as des dons latents en toi qui doivent être ouverts. J'active tes dons. Ben Lise, on va voir ce qu'ils ont pour toi dans une deuxième carte. Tu es aussi quelqu'un déplacement. Tu es quelqu'un que... NK, tu as demandé combien de cartes? Je vais te faire un voice que je t'enverrai après. Déplacement, tu es quelqu'un que tu es censé voyager. C'est comme si, peut-être tu aimes beaucoup les voyages. Mais soit c'est ça, soit la deuxième option, tu dois... c'est quand tu vas voyager que tu vas te trouver. Tu vois, tu vas te découvrir. Tu vas aller ici, tu vas voir ça. C'est comme si il y a une mémoire karmique en toi qui va se réveiller. Oui, c'est rap. Si tu veux une lecture de carte privée, tu prends mon numéro WhatsApp. C'est dans le lien de ma bio TikTok. Donc, tu m'écris là-bas. Dans ma bio TikTok, tu as ce lien-là. Tu écris là-bas, tu dis tu veux une lecture de carte. Et là, tu peux faire le paiement. OK? Donc, Benlise qui a fait les deux, qui a envoyé les fleurs là. En te déplaçant, ça va fortifier ton... Mais pourquoi tu ne fais pas suivre ce message, ma chérie? Oh my God, c'est la bêtise ou quoi? Tu es bête ou quoi? Purée. J'aime pas les filles qui sont bêtes. Hein. I don't like it. You have to be smart. Merci la reine Meru. Merui. Longue vie à toi aussi. Caprice. Caprice. Tu as envoyé une eau. Tu vois, un cœur. Tu veux m'épouser? Tu crois que le mariage pour moi c'est une fin en soi ou bien? Hein? Cette personne qui a envoyé le cœur. Premièrement, tu dois beaucoup te former. C'est que tu es très, je te sens très attiré par la spiritualité. Ça t'attire. Donc, il va falloir que tu passes des heures, tu regardes des chaînes qui vont t'éduquer. Quand tu vas écouter, ça va ouvrir ton esprit. Le numéro WhatsApp dans ma bio, il y a un lien. C'est un lien Bit.ly. C'est un lien. Tu cliques seulement sur le lien, ça t'amène dans WhatsApp. Et puis, MMG, je vais lire pour toi après. Et toi qui as envoyé la carte là, tu es aussi quelqu'un que tu es un stratège, tu es un fin stratège. Et tu doutes beaucoup de tes... Quand tu reçois des impulsions, tu doutes de tes impulsions. Oui, Caprice, oui, c'est toi qui as envoyé. Tu envoies le cœur, non? Oui. Voilà. Donc, tu es un fin stratège. Ça va s'activer quand tu vas ouvrir tes dons. Bon, maintenant, celui... Il y a une autre personne qui a envoyé... Donne-moi ton nom, celui qui a envoyé quelque chose. Je ne vois que ceux qui ont donné des cadeaux. Je vous le dis cash. Voilà. Donc, qui a donné le cœur? El Awan. Donnez-moi. Ok. Ton nom, c'est Merveille. El Awan qui a donné le cœur. Donne-moi aussi ton nom, s'il te plaît. Celle qui s'appelle Merveille. Il y a des personnes dans ton entourage qui essaient beaucoup de te donner la confusion, de te créer de la confusion. Je sens que tu as beaucoup de pouvoir caché. Il y a des choses qu'on te dit de toi, que tu découvres et tu ne... C'est comme si tu n'arrives pas à croire, mais ton esprit sait. Et tu as aussi beaucoup de protection divine. Tu es très protégé. Tu as protection divine sur toi. Je sens en fait comme si on veut voiler ton savoir. Et tu es dans une bataille, pas seulement d'esprit à esprit. Mais c'est comme si ces personnes savent que si tu sais qui tu es, un peu regretté. Cette personne qui m'a envoyé la balançoire là. La balançoire, c'est quoi ton nom? C'est Valérie, c'est ça? Donc, je vais te faire quatre cartes.
La première, tu as un don de guérisseur, celui qui a envoyé la balançoire. Tu as un don de guérisseur. Et tu es très protégé. Je vois beaucoup de guides autour de toi qui te protègent. Ça, c'est la deuxième carte. Tu es aussi très... Tu es connecté. Tu es très connecté. Et c'est un peu comme si peut-être la nuit dernière ou bien il y a cela quelques jours, tu... Ok, toi, c'est Mandy. Mandy, je te prends après ça. Tu doutais, tu te posais des questions. Tu parlais même à l'univers. Tu disais vraiment, aidez-moi, dites-moi, donnez-moi la direction. Waouh! Le chaman. Tu as des pouvoirs de guérison. J'ai la carte du guérisseur et du chaman. Les deux sont sortis. Waouh! Je vais te prendre pour les cheveux, les cartes des choisis. Ton troisième œil est en train de s'ouvrir. La personne qui a donné la balançoire, je t'ai tiré quatre cartes. Ton troisième œil est en train de s'ouvrir. Et tu sens à ton corps comme si, il y a des moments où tu restes comme ça, tu vibres, tu sens un peu comme si tes trucs s'activent. Ok? Donc, Judith, est-ce que ton nom c'est réellement Judith? Genre, je t'ai fait quatre cartes, c'est la personne qui a donné la balançoire. Maintenant, il y a Judith qui a envoyé, mais il y a El Wang là, je dois d'abord faire la tienne. El Wang, tu es dans une saison où tu te sens beaucoup emprisonné. Elle, la personne là, en tout cas. Donnez-moi vos noms, ça m'aide beaucoup. Donc, El Wang. Voilà. Tu es en train d'activer tes pouvoirs magiques. Magic. Tu as des pouvoirs magiques qui sont en train de s'activer. Tu es dans une période où tu es connecté avec les astres. Tu restes comme ça, tes antennes reçoivent. Tu reçois beaucoup de... Like, you know, you can receive get direction. Okay. Maintenant, avant de faire Cécile, je vais faire Judith. Vous savez quoi? Attendez, je dois écrire vos noms. Je ne veux pas me perdre. Oh, je n'aime pas là où j'ai mis mon bic. Bon, je lis d'abord Judith et après je vais faire celle qui a offert le truc là. Je te vois souvent dans mes directs. Redonne-moi ton nom, s'il te plaît. Tu as des pouvoirs de guérison, Judith. Tu as des pouvoirs de guérison. Quand je parle de toi, je sens comment mon manchon s'active. Tu es quelqu'un qui a un pouvoir en toi comme un trésor caché. Et les mois qui suivent, même dans les rêves, on va te donner une bague, on va te donner des choses. Tu vas subir une initiation dans les rêves. C'est ce qu'on me donne pour toi. Bon. Je fais des lectures de cartes. Celle qui demande que je la prenne. Ok. Celle qui a envoyé le... Redonne-moi ton nom, ma chérie. Toi qui as envoyé 499, là. Je te vois souvent dans les directs. J'ai l'impression que tu sais qu'il y a des trucs en toi, mais parfois tu es un peu timide. Voilà. Tu as un esprit de dirigeant. Toi, la jeune fille. Tu es une dirigeante. Tu es un leader. Tu es un leader. Bon, je sens aussi beaucoup dans ton énergie karmique qu'il y a des choses que tu vas guérir. Je pense aussi que j'ai la carte de la ville. Tu vas peut-être devoir déménager ou bien voyager. Ça va te permettre de libérer ton énergie. Waouh, la carte de la rebelle. Tu es une personne que dans le passé tu as aidé beaucoup. Tu as peut-être soigné même des gens. Tu as défendu des gens. Et bien sûr, on t'a peut-être mis en prison pour cela. Mais en toi, il y a une personne qui veut sauver le monde, qui veut changer le monde. Je vois plus changer le monde. Waouh, tu dois travailler à ton compte. Ça, c'est ta quatrième carte. Tu dois travailler à ton compte. Tu dois travailler à ton compte. Celle magique, j'ai dit que tu as ton pouvoir qui est en train de s'activer, ton onction qui est en train de s'activer. Et j'ai parlé de connexion avec les astres. Quand je parle, je vous dis toujours, je dis souvent aux gens de demander pas seulement une carte, parce qu'une carte, c'est court. Maintenant, si tu prends une carte, je te dis ce que c'est, tu ne comprends pas. Ce n'est pas de ma faute. Tu me suis. Donc, je parlais à celle qui a envoyé la jeune fille qui a envoyé 499 là. Tu dois travailler à ton compte. Donc, tu dois être indépendant d'organisation. Tu dois être à ton compte. C'est vraiment là que tu vas te sentir libéré. Je sens aussi ton animal spirituel qui veut se libérer. Waouh, la carte de la jalousie. Il y a beaucoup de personnes autour de toi qui sont très jalouses. Très. Du coup, ces jalousies vont se manifester comme le mauvais œil carrément. Le mauvais œil. Donc, il faudra que tu fasses attention. Donc, je t'ai tiré. Celle qui a envoyé là, qui vient d'envoyer une carte, donne-moi ton nom. Je t'ai fait 5 cartes, ok? Celle qui a envoyé 499. Quelqu'un vient de m'envoyer une fleur. Donne-moi ton nom. Celle qui m'a envoyé la fleur, c'était qui? Je peux toujours me connecter à ton esprit sans avoir ton nom, mais je préfère que tu m'écrives.
Écris seulement fleur, tu mets ton nom. Fleur, tu mets ton nom. Ok, Lucrèce, d'accord. Qu'est-ce que vous avez pour Lucrèce? Tes ailes sont bloquées. Tes ailes sont bloquées. Wow, evil family members. Tu as des mauvais, tu as des gens dans ta famille qui ont mis une sorte de plateau sur ton, un plafond, pardon, sur toi. Evil family members. Donc, je ne serais pas surpris que tu aies une tante ou un oncle qui te veuille du mal. Mm-hmm. Et tu as négligé. Parfois, tu le sentais, mais tu as négligé. Et là, il y a ta, on veut que tu sois, tu te révèles. On t'a bloqué, mais c'est le moment pour toi de tendre tes ailes, de te révéler à toi-même et à l'humanité. Voilà. Bon. Je viens enlever toute mauvaise énergie. Merci pour la casquette. Qui m'a donné la casquette? Celui qui a donné la casquette, écris casquette, tu mets ton nom, s'il te plaît. Casquette, tu mets ton nom. Si vous donnez des cadeaux de plus de 100, 99 100 plus, voilà. Écris casquette, tu mets ton nom. Michel Nadia. Ok, Michel Nadia. Qu'est-ce que vous avez pour Michel Nadia? Michel Nadia, je sens beaucoup de timidité en toi. On a beaucoup... Elle a Wandi, d'accord, tu as envoyé le cadeau, je vais te prendre après. Michel Nadia, je sens beaucoup de jalousie, de frustration, frustration, frustration de ton côté. On t'a beaucoup frustré. Et c'est des personnes qui ont vu quand tu es né, qui ont vu ta lumière. On me rappelle l'histoire de Jésus pour toi. Quand Jésus est né, les mages sont venus, ils ont vu son étoile, ils sont venus. Quand toi tu es né, on a vu ton étoile et on est venu pour te faire du mal. Et actuellement, tu as beaucoup de messages dans le rêve. On te parle beaucoup à travers tes rêves. Et tu as aussi du sang ancien qui est en train de s'activer. Tu vas sentir aussi parfois beaucoup de fatigue. Parfois, tu seras amené peut-être à dormir. C'est parce que pendant ton sommeil que tu auras une activation de ton ADN. Écrivez ici, mon ADN est activé. Alex B. J'active votre ADN. Écrivez ici, mon ADN est activé. Bon, ça c'était pour toi. Elle, quelque chose là, qui m'envoyait toujours des... Qui dit qu'elle envoyait beaucoup de cadeaux là. Je vais voir ce qu'ils ont pour toi. La joie. La joie et le courage. Tu es en train de recevoir beaucoup de courage parce qu'il y a des situations, c'est comme si tu hésites pour prendre une décision très lourde et tu te demandes est-ce qu'il faut que je le fasse ou pas. Donc on te donne du courage et de la joie dans cette saison-ci. Je ne sais pas quelle décision tu as à prendre, mais c'est comme si c'est ça. Il y a du courage et de la joie que tu reçois. La Bible dit que la joie est ma force. Je sais que les gens aussi, j'ai fait quoi avec la joie. La joie, c'est une force. C'est une force. Écrivez ici, je reçois ma joie. Je reçois ma joie. Bon, je vais chercher un bic. Je vais noter parce que... Avant que vous envoyez des cadeaux, vous me dites, je préfère ça. Les sacs de famille, il y a tout plein de choses. Ok. C'est pour des cadeaux de 100 et plus que je fais une lecture. Sinon, je ne veux pas. Donc, vous me donnez le nom. Candy, est-ce que tu es connecté? Candy, tu es en direct ici? NK, je veux aussi faire ta lecture. NK. Oui, l'ange. Si vous devez faire des dons, faites maintenant, j'écris vos noms. Si je commence à lire, je ne veux pas m'embrouiller. Ok, la Miss. Ok, oui, l'ange deux fois. Je vais te faire deux cartes. Valérie.
Valérie. Je crois que la balançoire, c'est 4,99. Celle qui a envoyé la balançoire, écris-moi ton nom, s'il te plaît. Tu écris balançoire, tu mets ton nom. Balançoire, tu mets ton nom. Bon. Fusée orange, Alexia. Michi, le cœur. Celle qui a envoyé la balançoire, mets-moi ton nom, s'il te plaît. Tu écris balançoire, tu mets ton nom. Ok, Valérie, d'accord. Bon, ceux qui n'ont pas de cadeau, écoutez juste, ça va vous parler aussi. Parce que parfois, vous n'aimez pas, vous voulez juste... Si je commence à lire tout le monde là, vous allez m'embrouiller. Vous allez perdre mon énergie pour rien. Casquette Marie, ok. Si je t'ai déjà lu, je ne te lis plus. Hein. Fanny, tu as envoyé la casquette aussi. Dave, quelqu'un m'a envoyé sur l'argent sur Airtel Money là. Est-ce que c'est. Tu peux mettre ton nom ici. Tu me dis combien tu as envoyé sur Airtel Money. Dis seulement Airtel, tu mets ton nom. Je vais te lire. Parce que je vois un argent sur Airtel. Mets la somme, comme ça je saurai si c'est toi ou pas. Donc, si tu es au Cameroun, tu me donnes ton pays, je te donne le comment envoyer. Et là, tu me donnes juste la somme d'argent que tu as envoyé. Et puis, donc là, j'ai déjà environ 6 personnes avec le nombre de cartes à tirer. Ok. Donc, non, si tu as envoyé la rose. Non, la rose, c'est un point. Je ne peux pas prendre quelqu'un qui a presque fait 100 points. Je lui lis la carte et puis toi, tu as fait un point. Tu es au Gabon. Dis-moi combien tu as envoyé sur Airtel. Tu me donnes ton prénom. Si tu as déjà envoyé. Donc le numéro. Monsieur DK77, bonjour. Dave. 10 000. Ok. Dave. Tu as envoyé sur quoi, en fait, les 10 000 là? Le numéro pour Airtel Money, c'est le 074 18 0080. 074 18 0080. 074 18 0080. Et le numéro orange au Cameroun, c'est le 655 31 0750. 655 31 0750. Dave, si tu as pris des cas, pardon, si tu as pris la, si tu as réservé une consultation avec moi, lave-toi au sel. Sinon, ça ne pourra pas se faire. Il faut que ton esprit, mon esprit, il faut que mes ancêtres me tapent là, que ça colle. Ce n'est pas parce que tu me payes que tu vas me voir forcément. Le numéro de la Côte d'Ivoire, attendez, je vois s'ils ont envoyé dans le groupe. Je vais vous donner un numéro de pour faire Orange Money, mais c'est le numéro du Burkina. Mais à partir de la Côte d'Ivoire, vous pouvez envoyer. Si vous avez payé, ne partez pas, je vous en prie. Parce que je vous connais parfois. Vous vous impatientez, vous direz, ah, ah. Ok. Bon, je vais commencer à faire les lectures. Donc, si vous voulez faire vos envois, attendez le prochain... Là, j'ai environ 11 personnes que je dois tirer. Ok. Donc. NK, est-ce que tu es là? Ou bien tu voudrais que je... Soit tu m'écris en inbox après, je fais ta carte après. Voilà. Je vais commencer par... Willange. Willange. Je crois que tu as envoyé deux fois. Willange, on va voir. Tu es en train de traverser une nuit noire de l'âme. Nuit noire de l'âme. Donc, je ne serais pas surpris que tu aies des pensées très proches de la dépression que tu traverses. Ça, c'est dû au fait que tu es en plein nettoyage. On est en train de te stabiliser, on te nettoie, on te stabilise. Et on parle aussi d'upgrade. Tu es en train de upgrade, on te change de niveau spirituel. C'est pour ça que tu traverses cela.
Donc, je vais tirer pour la carte de mission de vie pour voir. C'est toujours Willange. Tu dois travailler, tu n'es pas fait pour travailler seul, isolé dans ton coin. Tu es quelqu'un que tu dois collaborer avec des gens. Waouh, réseau de télécommunications. Donc, je pense que tu dois même faire une page. Si tu n'en as pas encore fait une, tu fais une page dans laquelle tu communiques tes dons aux gens. Si tu traverses la dépression, tu en parles sur ta page. Si tu traverses quoi, tu en parles, tu en parles. Ça va, tu es fait pour connecter avec des gens, Willange. Et quand tu fais ça, ça t'ouvre, ça te. Je te vois upgrade, tu passes à une autre dimension. Voilà. Quand tu ouvres et tu ne te. Donc j'ai fait trois cartes pour toi. Tu en avais, je crois que tu en as envoyé pour deux, mais j'ai fait trois cartes. Ok. Bon, maintenant on va voir ce qu'ils vont dire pour. Donc la Miss. La Miss, tu as envoyé 100 points, non, si je ne me trompe pas. La Miss. Si tu as envoyé plus, tu me fais signe. Bon, la Miss, je vais voir ce qu'ils ont à te dire côté mission de vie. Voilà. Tu as sûrement des procédures que tu as commencées qui étaient freinées. Donc là, tu vas avoir une accélération sur tes projets. Soit encore, tu vas commencer. Ok, la Miss, deux. Tu as envoyé deux ou trois. Dis-moi combien. Parce que j'ai déjà lu avant. Donc j'espère que tu as enlevé cela. Donc, tu as commencé les démarches écrites. Si tu n'as pas encore commencé, tu vas les commencer. Et on me dit de te dire que ça va aller rapidement. Donc, il y aura une accélération dans tes procédures. Peut-être depuis, tu voulais peut-être aller dans un autre pays, peut-être ouvrir une entreprise, quelque chose comme ça là. On te dit de tapoter le direct, s'il vous plaît. Ceux qui ont envoyé leur tapoter, sinon, ça, si ça bug, c'est vous qui perdez votre truc, pardon. Donc, la Miss, je te fais une deuxième carte. Donc, quelqu'un, tu auras l'aide d'une personne. Quelqu'un va venir t'aider dans tes projets. Quelqu'un va venir t'aider pour ta mission. La personne va venir. Donc, tu auras l'aide d'une personne. Ce sera comme un ange. Et puis, tu dois aussi purifier ton espace. Sage your space. Je pense que ton environnement, là où tu vis, c'est. How do you say that? C'est saturé. Voilà. Spirituellement, c'est saturé. Tapotez le direct, s'il vous plaît. Tapotez. La Miss, tu as suivi tes cartes que j'ai lues. Donc, je t'ai fait deux, trois, je t'ai fait trois cartes. Et tu as aussi la carte des opportunités, une quatrième. Tu as des opportunités qui vont se présenter à toi, énormément. Donc, il faudrait que tu puisses les saisir. Donc, j'ai dit, tu auras l'aide d'une personne. Tu as des opportunités qui vont s'ouvrir à toi dans les prochains jours. Tu dois nettoyer ton atmosphère, purifie ta maison, là où tu vis, et tu as des démarches écrites que tu vas faire. Maintenant, si tu n'as pas toujours suivi, tu as suivi cette fois-ci, j'ai répété pour toi. Je crois que c'est quand même, j'ai quand même été assez patiente. Bon, il y a Valérie qui a envoyé la balançoire, quelque chose comme ça. Valérie. Donc, je vais faire ta lecture, Valérie. Parlez-moi de mon futur mari. Vous êtes culotté ici dehors. Pourquoi je te parlerai de ton futur mari? Why? Why would I do that? Apprenez à payer pour ce que vous demandez comme service. C'est très important. Supposons que je te parle et je te mène en bateau. Je te fais gâter ton foyer comme ça. Oh. Bon. Valérie. Valérie, est-ce que tu es là? Valérie? Valérie? Ok, super. Donc, je dois faire 5 cartes pour toi. On va voir ce que ça va donner. Waouh, ton âme doit guérir. Tu as une guérison d'âme à faire. Je crois qu'on t'a peut-être fait du mal. Tu as des personnes qui sont venues abuser de toi. Et là, mets un peu la main sur la poitrine. J'enlève les flèches qu'on a mises sur ton cœur. Je te guéris, je te sors de tout trou. Je crois aussi qu'on t'a mis dans un endroit pour que tu ne penses pas plus haut, que tu ne te lèves pas. Waouh! Et j'ai la carte de la mauvaise voie, Valérie. Donc c'est comme si cette douleur-là a fait que tu veuilles prendre une autre voie. Que tu quittes des projets que tu avais commencés, qui sont sûrement en train de t'amener vers quelque chose de bien. Donc ceux qui veulent le numéro de la Côte d'Ivoire, je vais vous donner ça bientôt. Je demande quand même, ma chérie, tu es là-bas, tu fais quoi? Je t'écris, tu me réponds après 8 minutes. Mais vous me servez moi à quoi dans cette entreprise?
J'ai des employés terribles. Hein. Et je leur dis tous les jours, hein, si tu ne me sers pas pour mon pointage, tu ne me sers à rien. Ok. Donc, tu étais sur la mauvaise voie à cause de la douleur. Donc, tu as une douleur sûrement qui t'a voulu, que tu as voulu faire prendre une autre voie par douleur parce que tu avais mal. Et tu es quelqu'un que ta créativité, j'ai la carte du rêveur. Tu es quelqu'un que quand tu es normalement dans ton bon esprit, quand tu es en forme, ton imagination peut te donner beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais c'est pour ça que l'ennemi, en fait, va te donner beaucoup de douleur. Donc, il va falloir que tu te entraînes toi. Travaille sur cette capacité à te hold, you know, to hold yourself. Ne te laisse pas aller par tes émotions. Donc, je vais prendre la carte et choisir. Il reste deux cartes. Elvira. Ceux qui veulent envoyer les cœurs et tout ça, attendez, je vais, quand vous allez envoyer, je vais écrire, je vais noter. Comme ça, je n'oublie pas de vous lire votre carte. Caprice. I don't waste my time. Of course. On est en train de te donner le don du courage. Le don du courage. Ça, c'est pour... Je suis en train de lire Valérie. Je suis en train de lire Valérie. Valérie, une autre carte. Tu es une sorte d'ambassadrice de Dieu. C'est-à-dire, tu as des choses que tu vas accomplir. Et genre, si Dieu veut guérir des gens quelque part, il t'envoie. S'il veut nourrir des gens, il t'envoie. Tu es une sorte d'ambassadrice de Dieu. La main de Dieu sur la terre. Tu es quelqu'un que ton cœur, tu as beaucoup de compassion en toi. Même si on t'a fait du mal, je t'ai rappelé la carte de la guérison d'âme. Les flèches qu'on t'a données dans le cœur, tu dois absolument te relever de ça pour faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Tu comprends, non? Et tu es aussi quelqu'un qu'on t'a... La sixième carte bonus. Tu étais très incomprise. Tu étais très incomprise. Donc, on ne t'a pas soutenu. On ne t'a pas soutenu dans ta famille. On ne t'a pas... Tu étais très incomprise. Vous sentir à part. Voilà. Voilà. Donc, j'ai fait tes cinq cartes. Lawa, je pense que c'est Lawa. Donc, je vais voir ce qu'ils ont pour toi. Lawa. Après, ça, c'est Alexia. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire à Lawa? Qu'est-ce que vous avez à lui donner? Tu dois t'isoler. Tu dois t'isoler. C'est le moment pour toi de vraiment creuser à l'intérieur de toi. Tu as trop de bruit autour de toi. Tu as envoyé combien? J'ai eu trois cartes tirées. Elle avant. Je ne t'ai même pas encore tiré. Elle avant. Peut-être c'est toi qui t'as mis elle avant. Je suis en train de dire Lawa. Elle avant, oui. Je suis encore en train de lire tes cartes. Elle avant. Si tu as payé trois cartes, je suis sûr que je t'ai tiré quatre cartes. Si tu as payé quatre, je suis sûr que je fais toujours une carte en plus. Voilà. El Awa, je suis en train de faire ta part. Donc, au lieu de te plaindre, écoute, s'il te plaît. Donc, tu dois t'isoler pour écouter. Tu as des messages à l'intérieur de toi. Ce n'est pas la première fois que je tire tes cartes. Je t'ai fait des cartes tout à l'heure. Et tu vas avoir l'aide d'une personne qui va t'aider peut-être à te lancer. Je vois plus quelqu'un qui va t'aider à croire en toi. Quelqu'un qui va t'aider à croire en toi. Parce que tu as beaucoup de doutes autour de toi. Je sens aussi de l'amertume dans ta vibration. De l'amertume. Donc, tu es quelqu'un, tu es aussi un guérisseur. Tu es quelqu'un que tu as le don de guérison. Ça, c'est ta troisième carte. Tu peux guérir les gens. Et je pense aussi que ce que tu as, parce qu'on me montre que ce que tu as subi, tu vas utiliser cela pour guérir les autres. Voilà, on t'a beaucoup fait de mal. Je vois la carte des fausses promesses. Je crois que la raison pour laquelle tu es comme ça, c'est parce qu'on t'a fait du mal. Ça a fait une coquille autour de ton cœur. Il va falloir que tu t'ouvres encore. Parce que tu dois guérir pour guérir les gens. El Awa, voilà. Tu dois guérir pour guérir les gens. Voilà, la nature. Donc, tu dois te rapprocher de la nature, t'isoler, prendre du temps. J'ai fait cinq cartes pour toi. Et n'en vois plus, s'il te plaît. Parce que je sens dans ton énergie, une énergie de... C'est comme si tu n'es pas prête pour recevoir ce que j'ai à donner. Donc, n'en vois plus de cadeaux, s'il te plaît. Quand je fais ma lecture, vous devez... Pourquoi je me connecte à ton énergie? Tu dois être prête, tu dois vouloir. You have to be willing. You have to be willing. Very important. Donc, Alexia. Alexia. Est-ce que tu es là, Alexia? Il y a Michi.
Après, il y a Marie. Est-ce que Marie est là? Mary, Michi, Alexia. Donc voilà les trois personnes que je vais faire. Donc Alexia. Tu es quelqu'un de très créatif. Donc c'est un peu comme si tu bloques ta créativité juste pour chercher l'argent du côté normal. C'est-à-dire, tu vas peut-être travailler à la banque ou bien alors que tu as ta connexion à tes antennes. Tu as une sorte des antennes spirituelles. Tu as des antennes spirituelles et ça te connecte. Je vois un peu comme si on te parle beaucoup. Il va falloir que tu t'asseyes pour recevoir cela. Et ça va aussi, c'est quelque chose que tu vas transformer en business. Donc, Michi, tu as la main du business, Michi, mais très attaqué dans le sens où tu as créé sans pas donner, tu as créé sans pas donner, donc tu veux te décourager. Donc, j'ai la carte d'entreprise familiale. N'abandonne pas parce que ce que tu vas créer des choses que tu vas passer à tes enfants ou encore quelque chose que tu vas utiliser et ça va te permettre de t'occuper financièrement de toute ta famille. Voilà. Donc, Marie, est-ce que Marie est là? Ça, ce sont... N'envoyez pas de cadeaux. Quand je finis, il me reste 4 noms. Les 5 noms, pardon. Je finis ces personnes. Si vous avez des cadeaux à faire, vous les faites. Et puis après ça, je refais la lecture. Ceux qui vont payer par... Dave, tu as fait un Airtel Money. Donc ça, je vais te lire. Vous pouvez faire Airtel Money ou Orange Money. Et puis, à partir de là, vous serez lu. Donc, je prends maintenant... Marie, tu as beaucoup de jalousie autour de toi, beaucoup de jalousie, et ces personnes sont en train de t'observer. Donc, je ne fais pas une carte pour toi, tu as payé pour une carte, mais je vais faire deux. Tu as beaucoup de jalousie, et ces jalousies sont dans le sens, ils veulent te faire tomber, ils veulent te faire tomber. Et tu es quelqu'un que tu es censé travailler à ton compte. Côté business, tu es très très wise, très smart. Et tu doutes souvent de toi, mais on me dit de te faire, arrête de douter. Wow. Tu dois prendre plus de cartes, ma chérie. Je vois beaucoup de cartes. J'ai fait 2 cartes pour toi, mais il y a encore plus qu'ils veulent te dire. Donc, je vais vous donner le numéro pour payer sur ceux qui sont en Côte d'Ivoire, Burkina, Bénin. Je vais vous donner un numéro Orange Money. Donc, j'ai fait Marie, Fanny. Je vais faire Fanny maintenant. Ceux qui sont connectés que je lis, j'espère que vous recevez vos messages. Airtel Money, il faut envoyer 10 000 francs, 10 300 Airtel. Ça commence à 10 000, il y a 15, il y a 20 000. Donc, Fanny, tu es appelée soit à travailler avec des enfants ou encore créer quelque chose qui va aider les enfants ou encore un orphelinat, Fanny. Voilà, et tu as aussi des traumatismes d'enfance qui doivent guérir, Fanny. Oui, PayPal aussi. PayPal, c'est aurelie.michel2017@gmail.com. Bonsoir Sylviane. Comment ça va? Aurélie Michel 2017@gmail.com. Dave. Bon, là, je fais Dave. Dave, est-ce que tu es là? Celle qui a fait. Elle a fait quoi là? Elle a fait Airtel Money. La pauvreté fait qu'on insulte les gens pour rien. Je n'ai pas le temps de répondre. Voilà, Dave, je vais tirer tes cartes. Tu as beaucoup d'énergie en toi. Tu es. Quand tu étais petite, c'est comme si on t'a amené chez un tradit praticien pour bloquer tes dons. Mais tu as une protection divine très, très intense. Dave, tu es très, très, très intense. Et tu es le genre de personne, tu peux commander quelque chose, tu dis quelque chose, les anges vont aller faire. Et tu doutes beaucoup de toi, ma chérie. Et tu as aussi du sang ancien. Voilà ta deuxième carte. Tu as du sang ancien qui est en train de s'activer. Et dans cette période-ci, même pendant les... Quand tu vas sortir, tu vas te réveiller le matin, tu auras l'impression que tu as fait beaucoup dans la nuit. Parce que tu es entré dans une autre dimension. Et tu as aussi... j'ai la carte des contrats d'âme. Tu as des personnes que tu es censé rencontrer dans cette vie ou vous êtes connu dans d'autres vies. C'est pour ça que parfois, tu as l'impression que je connais la personne ici. Vous avez passé des contrats d'âme. Et ici, donc, tu es appelé à guérir les choses que tu n'avais pas guéries dans d'autres vies. Donc, ta saison de guérison est en train de s'activer. Et ta carte bonus, tu travailles peut-être trop. Je vois travail excessif. Travail excessif. Voilà. Donc, si vous faites un PayPal, vous envoyez 15 euros pour 3 cartes. Si vous envoyez 22 euros, non, 20 000 francs, c'est 10 cartes.
Donc, 30 € c'est 10 cartes. Voilà. Donc, je dis parlais du travail excessif pour toi, Dave. Tu dois absolument te recentrer sur toi-même. Tu dois. Il y a des choses que tu fais pour faire plaisir aux gens, il faut que tu arrêtes. Parce que ça vide ton énergie. Voilà. Et après, quand il faut maintenant travailler sur toi-même, là, tu n'as pas le temps. Facebook, je sais que vous n'aimez pas donner les cadeaux. Parce que les cadeaux de Facebook, ça ne marche pas même. Mais vous avez mon inbox. Vous faites les envois, vous me faites signe. Eurydice, c'est qui? Et j'ai Elvira et Soso. Est-ce que Soso est là? Donc, s'il y a quelqu'un qui a payé plus de 100, son 100 points à mon compte, tu me dis si je n'étais pas sélectionné. Donc, Eurydice, tu as des opportunités qui sont en train de se présenter et tu doutes parce que tu te dis ah non, ce sont de bonnes opportunités, donc saisis-les. Voilà. Bonjour Chris, tu collectionnes des pierres. Super. Je t'envoie de la lumière. Tu as aussi des contrats d'âme que tu as passés. Larissa attend, je vais ouvrir pour que vous fassiez des cadeaux bientôt. Parce que quand vous envoyez les cadeaux comme ça, je n'écris pas, je peux. Chris, tu as une très belle énergie. Je t'envoie de la lumière. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime ton énergie. Je vois ton environnement. Je viens de faire un tour chez toi. J'envoie de la positivité. Donc, Eurydice, tu as beaucoup d'opportunités qui sont en train de se présenter. Ce n'est pas mauvais. Donc, ne, like, don't downgrade it. Ne vois pas ça mal. Voilà. Eurydice, deuxième carte. Tu as peut-être été trop impliqué dans le travail excessif. Tu es fatigué peut-être. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a payé qui voudrait que qui veut monter pour que je lui parle en direct? Donc, Elvira, je vais te lire maintenant. Elvira, j'ai la carte de culpabilité. Ce n'était pas de ta faute. Tu dois te libérer et tu dois pardonner. Tu dois te libérer et tu dois pardonner. Ok? Et tu as un silence que tu as eu qui t'a beaucoup. Tu dois parler, parle, libère ton chakra de la gorge. Donc mets la main sur la gorge, je libère ton chakra de la gorge. Je t'ai fait deux cartes. Une carte, c'est 100 points. Bon, maintenant c'est Soso, Soraya. Je sais que tu écris depuis, je t'ai pas oublié, Soraya. Ok? Donc, qu'est-ce que vous avez pour Soraya? Je vois ton énergie, tu es quelqu'un de très bubbly. Bubbly en français, c'est quoi? Très gaie, très joyeuse. Et tu es dans une période de guérison. De guérison. Tu es dans une période de guérison et tu vas recevoir beaucoup de. Du miel, je vois du miel carrément qui vient apaiser ton cœur. Ok, Soso, je vais voir sur les vies antérieures. Tu as aussi une guérison d'âme qui doit s'opérer. Tu as une guérison d'âme qui doit s'opérer. Ok. Bon, il y a Larissa et Lola. Maintenant, vous pouvez faire vos dons. S'il y a quelqu'un qui veut monter, tu envoies l'invitation. Tu me dis ce que tu veux venir dire. Donc. Il reste Larissa et Lola. Bon, maintenant, je vais noter vos noms. Ceux qui m'ont écrit sur. Si vous avez fait un don sur Orange Money. Donc, Willange, tu as encore envoyé un cadeau. D'accord. Le numéro Orange Money pour un tirage de cartes, c'est le 655. 31 07 50. Et le numéro RTL, c'est le 074. Oui, Willan, je vais te prendre puisque tu as payé ta carte et puis je vais te les rendre. Donc, RTL Money, c'est le 074 18 00 80. T'as voté pour que ça ne bug plus. 655 31 07 50. Le nom, c'est Abbé Solo.
apporter le direct. D'accord, Milan, j'accepte ta demande. Bonjour, Willange. Bonjour, Farid. Vous allez bien? Très, très bien, merci. Et toi-même? Ça va bien. Je suis monté pour te poser une question sur. C'était sur l'anglais, en fait, puisque, en fait, je suis en train d'apprendre, puisque, ben, au final, je pense que si je ne comprends pas, je ne vais pas pouvoir. Je me dis que je ne pourrais pas atteindre ce pourquoi je suis là, en fait. Donc, j'ai commencé des petits coups là, en fait, avec quelqu'un pour essayer de remonter un peu la pente en attendant. Parce que moi, j'avais voulu aller dans un pays anglophone pour aller apprendre. Mais bon, je pense que je n'aurai pas ce temps-là parce que là, en fait, je vais trouver du travail. Donc, je ne pourrais pas, en fait, aller, je ne pourrais pas faire les deux à la fois. Donc, j'ai mon idée pour demander est-ce que ça va bien se passer ou est-ce que c'est mieux de partir, en fait. Voilà. Donc, ta question, est-ce que tu dois partir et laisser travailler ou bien faire d'abord tes cours d'anglais, c'est ça? Oui, c'est ça. Ne saisis pas ce qui est le plus rapide parce que tu es tout ce qui est profond et qui va donner plus loin, ça prendra du temps pour creuser. Et donc, je vais voir la carte qui sort. Prends d'abord du temps pour guérir. J'ai de la guérison qui sort. Donc, tu dois d'abord rester sur place, prendre du temps. Et pendant ce temps même, je pense que le travail que tu auras au bout de cet apprentissage, le salaire sera plus élevé. Parce que tu auras grandi. Tu es en pleine croissance. Tu es en pleine croissance spirituelle, pas physique. Je vois. Il n'y a pas de problème. Bah, je vais continuer de prendre les cours en fait à distance. Je pense que c'est mieux. Oui. Et tu as des dons, tu as d'autres dons. Je vais voir un peu ce que ça dit. Tu as des dons. Je sens des dons chez toi. Je crois que je t'ai déjà pris une fois. Tu es monté une fois déjà. Oui, oui. On très rarement les gens ici, mais ça fait déjà deux fois. C'est pas par hasard. Tu es censé être sous le feu. Voilà, tu es un choisi. Tu es censé être sous le feu des caméras. Ton chakra de la gorge est très puissant. Tu es censé parler, tu parles, ça guérit, ça solidifie les gens. Tu es quelqu'un que juste à l'écoute de ta voix, les gens sont censés être, ça soulève les gens. You know, ça les met droit, ça les remet droit. Oui. Et ça, on n'avait pas ouvert ça en toi avant. Donc il va falloir que, concentre-toi, ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais ça vaut le coup. D'accord, parce qu'on me dit ça tout le temps. Oui, les gens avec qui je parle, les personnes en fait qui sont découragées, qui viennent me parler, les personnes qui me demandent des conseils, ils me disent ça. S'il te plaît, suis cette voie. Ne cours pas rapidement pour aller travailler. D'accord, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils me disent d'ouvrir, de faire ça sur mon TikTok. Après, je me dis en fait que si j'avais l'inspiration, en fait, pareil, comme l'inspiration au téléphone pour pouvoir donner des conseils. En face, mais bon, je pense que j'ai compris. Merci, ne doute pas de toi. Je vais prendre ça là. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci. Merci beaucoup. Gratitude infinie. Tu as une très belle âme. Merci. Merci beaucoup. Ne doutez pas de vous, je vous en prie. On parle carrément de nos vies là, ok? Imaginez un peu si je n'avais pas ouvert ce qui est en moi. Bon, il y a quelqu'un qui a envoyé 15 000 francs. Écris-moi un peu ton prénom ici. Comme ça, je sais si c'est toi ou pas. Celle qui a envoyé 15 000 francs. J'ai vu 10 000 francs. Pauline Sam, j'ai vu ton argent. Chris, bonjour. Chris, tu es dans quel pays? Est-ce que tu peux envoyer des cristaux? Tu veux m'acheter des cristaux, tu me les envoies? Je t'envoie les sous, bien sûr. T'as poté le direct, ça va bugger. Voilà, c'est ça. Ok, Aude, j'ai reçu. Ok. Bon, vous avez tous envoyé les cadeaux, j'espère, parce que je vais recommencer les lectures. J'ai environ 20 cartes à tirer.
Tu as envoyé Armelito, tu as envoyé sur OM. Armelito, tu as envoyé combien? Je vais te tirer aussi. Oui, Pauline, j'ai vu, ça fait trois cartes pour toi, Pauline. Tu vas envoyer les cadeaux. Envoie les cadeaux alors, Alex. Quand tu envoies, tu me fais un message pour dire. Ok, super. Bon, on y va. Si on tapote, ça va éviter que ça bug. Tu remarques que ça bug beaucoup, Chris. Des Sanna, tu as envoyé quel cadeau? Si tu tapotes, ça ne bug plus. Oui. Ok, bon, allons-y. La consultation, tu prends mon numéro là-bas, tu écris en inbox. Dans la bio. Armelito. D'accord. Ça fait trois cartes pour toi. Tu prends le numéro, tu écris, tu dis que tu veux une consultation. Voilà. Ok. Donc la première personne, c'était Huilange. Bon, Huilange, la carte de la jalousie. Tu as aussi beaucoup de jalousie autour de toi, la jalousie. Je t'ai tiré trois cartes en live. Donc je pense que c'est déjà assez. Ça faisait la quatrième. Donc Audrey, faut que tu te reposes. Ah, Wendy, tu m'aimes bien. Super. Audrey, tu dois arrêter de toujours vouloir sauver les gens. Tu as arrêté de vouloir sauver les gens parce que ça finit ton énergie. Tu as une relation sauveur sauvée avec les gens et à chaque fois, tu veux toujours les sortir de leur trou. Et eux-mêmes, ils ne veulent pas. Du coup, ils t'entraînent dans leur trou avec eux. Donc, Audrey, tu dois arrêter, s'il te plaît. Et il y a aussi la fuite. C'est comme si dans le passé, dans une autre de tes vies, tu as fui. Peut-être tu as fui une ville où tu as fait quelque chose, tu as une relation peut-être extra-conjugale, quelque chose comme ça, tu as eu honte, tu as fui. Et ce qui fait que tu as de la peine à te stabiliser dans cette vie-ci. Donc on revient toujours à Aude. Peut-être tu as un déménagement en vue. Tu as aussi une personne qui va t'aider, Aude. Tu vas recevoir de l'aide d'une personne. Et tu es très protégé, tu as une protection. Tapotez, s'il vous plaît. Aude, est-ce que tu m'écoutes? Donc, je vais rajouter un peu. Là, je suis à 6 cartes sur toi. Aude, tu as payé 5 cartes. Je donne encore un bonus. Ne t'inquiète pas, tu t'inquiètes beaucoup, Aude. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Ça a été dans une période un peu de transition. Mais il faut que tu arrêtes de t'inquiéter. Bon, Aude, est-ce que tu as reçu ta lecture? Donc, prochaine personne, j'ai Pauline. Pauline. Oh là. Tu as écrit sur WhatsApp. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Je vois des gens qui m'appellent sur le numéro du Gabon. Aude, tu as suivi ta lecture. Bon, Pauline est là. Pauline, je commence. Tu me suis bien, j'espère. Tu es une vieille âme, Pauline. Et tu travailles aussi avec Jésus. Tu es une descendante de Jésus. Il faut beaucoup active beaucoup le nom de Jésus quand tu fais tes travaux spirituels. Et puis ton temps de briller est arrivé. Tu as beaucoup de bonnes choses qui sont en train de se préparer. Bon, Aude, tu as le numéro, fais-moi un message inbox. Je vais garder tes cartes de côté. Comme ça, je pourrais te. Je vais filmer carrément pour ne pas oublier. Albi, tu as envoyé 700 points. Waouh! Tessa, Albi, est-ce que tu peux m'écrire, s'il te plaît, Albi? Parce que je vais descendre de TikTok et puis je vais faire. Je vais refaire un live dans quelques instants avec un autre téléphone. J'espère que ce sera mieux sur ce téléphone-là.
Oh, TikTok, qu'est-ce qu'on veut? Bon, voici les détails pour payer par OM si tu es en Côte d'Ivoire. Donc, plus 226, 66, 16, 84. Plus 226, 66, 16, 84. Et le nom, c'est Badiel. Donc, plus 226, 66, 16, 84. Tu lui envoies un message pour dire que tu as envoyé le paiement. Tous ceux qui ont envoyé les pour demander un paiement, je vous en prie, écrivez en inbox. Je vais vous faire des lectures inbox, c'est mieux. Donc, j'ai dans ma file d'attente Audrey, Pauline, j'ai aussi Aude, j'ai Armelito, j'ai Albi. Donc, le numéro c'est le 237 693, 237 693 50 22 66. Voilà. Bon, je vais me connecter là-dessus. Ok, Aude, je vois ton message, je vais t'écrire. Je vais vous faire des audios pour vous donner ça en inbox. Bon, parce que ça bug beaucoup. Donc, je vais tirer maintenant les cartes au hasard, comme ça. Lola, il faut que tu restes calme, Lola. Moussa, tu as ta flamme jumelle qui est en train de venir à toi. Mohamed, tu as beaucoup d'ennemis sur ton chemin. Shaël, tu es un roi ou une reine. Gabriel, ton ADN est en train de upgrade, c'est en train de changer. Linda, tu as une protection divine sur toi, tu es protégée. Estelle, tu as beaucoup de messages, de rêves, dans les rêves, on te parle beaucoup. Linda Orline, tu traverses beaucoup de dépression mentale. Donc, nuit noire de l'âme, tu les traverses. Samira, tu es un descendant de Jésus. Antoine, tu as une grande mission sur la terre. Léris, tu as beaucoup de secrets cachés que tu vas découvrir et ça va te fortifier. Genre, il y a peut-être quelqu'un qui te fait du mal ou bien qui est hypocrite. Tu vas découvrir ce qu'il cache et ça va te libérer de cet engagement avec la personne. Bon, Shaël, ton troisième œil est en train de s'ouvrir. Jeanne, tu vas avoir beaucoup de synchronicité. Ça c'est pour te montrer que tes finances se sont débloquées. Sophie, tu dois rester très calme. Binetta, tu as des pouvoirs de guérisseuse. Mélène, tu vas être très calme, ne t'affole pas. Vanessa, tu as les pouvoirs de chamane, tu es une guérisseuse. Bwanga, qui vient d'envoyer sur RTL, écris-moi pour ta lecture sur le numéro RTL où tu as envoyé là sur WhatsApp. Lola, tu es une guérisseuse, tu guéris par la voix. Parfois, il y a des personnes, vous guérissez par votre. On voit ton visage et on est guéri. Rebecca, tu es une ancienne âme, tu es une vieille âme. Moussa, tu es un agent de lumière, Moussa. Moi, c'est qui? Sorel, tu es une choisie. Tu as des dons spirituels, tu es sur la terre pour aider, guérir. Aimée, la Gabonaise. Tu as beaucoup d'attaques mentales, mais ça va bientôt passer. C'est pour un but. Déris. Tes ennemis, il y a un jugement qui est en train d'être prononcé sur tes ennemis. Pamela n'a pas. Tu as des pouvoirs psychiques. Tu es une sorte de médium, quelque chose comme ça. Ange. Ton abondance est là, c'est ta saison d'abondance. Monica.
Beaucoup de membres de ta famille sont mauvais. Ils ont essayé de te faire du mal. Je vois comme si on t'a lancé des mauvais sorts. Mineta, tu es une empathe. Tu guéris. Odile Boujeka, empathe. Tu absorbes les énergies des gens. Mvodo Laurence, ton abondance est là. C'est ta saison d'abondance. Nadège Djoumessi, tu as du sang ancien. Tu es en train de t'activer actuellement. C'est ton abondance aussi. Ta saison d'abondance est là, Nadège. Michel, beaucoup de membres de ta famille mauvais. Tu les aimes, mais ils ne t'aiment pas. Ils te font beaucoup de mal. Il y a beaucoup de secrets que tu vas découvrir sur ta famille. Adair, ne t'inquiète pas, tu t'inquiètes beaucoup. Erika Gill, il y a le jugement qui arrive sur tes ennemis. Il y a une vengeance que tes ennemis vont recevoir. Alexis Patience, tu as des pouvoirs de guérison dans les mains. Et tu es une ancienne âme. On t'a beaucoup sous-estimé dans ta famille, Alexis. Mineta, tu vas avoir beaucoup de synchronicité. Mélissa, ne t'inquiète pas, tu t'inquiètes beaucoup, Mélissa. Bon, je vais arrêter et je vais aller lire ceux qui ont... S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui m'a fait un cadeau ici et qui n'a pas mon WhatsApp, prends mon WhatsApp, tu m'écris. Vas-y. Vous voyez que ça bug beaucoup. Ça bug tellement. Quand je dis vos noms, ça bug. Donc, tapotez le direct. Il y a Aude, il y a Amelito, il y a Albi, il y a Pauline Sam. Écrivez-moi en inbox. Ça bug beaucoup. Je ne vais pas continuer sur TikTok. Alexis, on t'a parlé de ce pouvoir, mais tu n'as rien fait, n'est-ce pas? Je devais tirer une carte pour toi, j'en ai tiré trois. Tu dois même demander plus encore en inbox. Il y a beaucoup de choses dans ton esprit, dans ton énergie qui doivent s'activer. Le truc, c'est qu'on vous en parle, mais vous ne faites rien. C'est ça, en fait. Vous voulez que ça vienne vous trouver. Le spirituel ne va pas toujours vous chercher. Ok, Alex. D'accord. On se prend donc en inbox.